gratitude à votre égard dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Mon désespoir d'homme blessé m'avait jeté en enfer. Était-ce mon honneur que j'avais voulu sauver dans cette infâme mise en scène? Mon honneur, cette dérisoire simagrée que nous appelons honneur. Ou n'étais-je pas plutôt pétrifié, les yeux rivés sur cette scène de trahison insoutenable? Et n'était-ce pas précisément cette scène que je réactivais chaque jour sans merci, en contraignant Albe de toucher des lèvres le crâne de celui qui, au prix de sa vie, l'avait approché de trop près? Ce dont je suis sûr, c'est que sans votre arrivée inopinée à Ehrenburg, j'aurais continué ainsi jusqu'à la fin de mes jours, geôlié de ma propre plaie et occupé de la raviver jour après jour. La parole que vous m'avez adressée et celle que vous avez ranimée en moi m'ont porté au-delà de mon obsession et de mon enfermement. Vous m'avez réveillé comme en sursaut d'un cauchemar. Je ne sais si vous avez eu le terrifiant privilège de connaître la passion d'amour. C'est le plus vertigineux des abîmes dans lequel il soit possible à l'homme de choir. Un abîme de flammes et de souffrances aiguës. Mais si quelqu'un se mêlait de vouloir sauver celui qui y est tombé, vous l'entendriez hurler comme si on lui arrachait la peau. La seule délivrance possible pour l'amant est d'y être consumé sans résidus.